Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, nous sommes aujourd'hui sur du Quidditch d'Harry Potter, donc qui vient de sortir hier. Rapidement, ça va être un petit test de la qualité du gameplay. Et ça m'a l'air correct. Je l'ai essayé hier, j'avoue, je l'ai avancé. Et franchement, niveau gameplay, c'est plutôt excellent. C'est un peu dur au début à prendre en main, mais juste après, c'est plutôt pas mal. Elle surpasse pouf souf le classement. Mais je me demande bien qui va gagner aujourd'hui. Oh, j'ai loupé la balle. Hop là. Mais soif. La passe. Et le tir. Comme quoi, en quelques jours, en quelques journées, en une journée du coup, on peut avoir la main du jeu. Au tout début en galère, je l'ai. Et c'est parfait. Pour l'instant, il tourne très bien. Je vais mettre Alt R pour voir la performance. 60 FPS. Je dois suivre la flèche rouge. Passe. Parfait. Et j'ai loupé. Comment ça se fait que j'ai loupé la balle là? Oh, je l'ai récupéré. Ça a été intercepté. Aïe aïe aïe. La passe a été mauvaise. J'espère que ça vous donne pas envie de vomir parce que c'est trop fluide en fait. Commentateurs sont très drôles. Petit tir. Voilà, ça c'est bon. J'ai déjà essayé en mode multijoueur aussi, c'est pas mal du tout. C'est assez fluide. On peut faire des dérapages. Le tir part. Pouf souffle, sauve les buts. Pouf souffle, tente le tir. Serre d'aigle, sauve les buts. Oui, magnifique. 3 minutes. J'oublie totalement le dérapage des fois.
Magnifique. Hop, esquive. Et le tir est parti, incroyable. On a cru que je l'ai tiré à gauche, et finalement j'ai tiré à droite. Yes. Bien joué. Ah, j'ai loupé. Ah là. Quelle belle passe. Magnifique. Non, non. Magnifique. Ça c'est nickel. Le but du jeu est vraiment d'aller jusqu'au 120 points. Normalement c'est 150 mais là ils ont mis 120 points. Points. Il reste une minute. Let's go. Ah ben voilà. C'est la fin du match. J'espère que cela vous a plu. Like, abonne-toi. Et donc, voilà, c'est un jeu super fluide. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est correct. C'est bien fait. En vrai, au début, c'est un peu dur à prendre en main. Mais petit à petit, il y a moyen d'être bon dans ce jeu. Fan d'Harry Potter comme vous êtes, je suis sûr que ça va le faire. Si sur ce, je vous quitte sur cette gameplay. Abonne-toi, like et partage. Allez, ciao.